Alors bonjour, bienvenue à cette capsule de révision pour le dossier 4 sur la romanisation. Dans cette capsule, nous ferons un bref retour sur la chronologie, la géographie, nous verrons par la suite les infrastructures romaines et leur utilité, et nous conclurons en faisant un bref survol des différentes tranches de la société romaine. La romanisation des régions qui ceinturent la mer Méditerranée se fait durant la période historique de l'Antiquité. Cette dernière s'échelonne de moins 3500 avant Jésus-Christ à 476 de notre ère. La fondation de Rome s'effectue en moins 753 avant Jésus-Christ en devenant une monarchie. Le régime se transformera ensuite en république de moins 509 à moins 27 pour s'imposer ensuite comme un empire de moins 27 à 476 de notre ère. Cette période est marquée par une période de paix, de transition, de travaux publics et d'octroi de citoyenneté. L'Empire romain s'effondra avec les invasions barbares en 476. C'est autour de la mer Méditerranée que se développe l'Empire romain. Le Tibre est le précieux fleuve qui approvisionne la cité en eau pour les différents besoins quotidiens. D'ailleurs, l'Empire est tellement vaste qu'il englobe la Bretagne, la Gaule, l'Hispanie, l'Égypte et même Carthage en Afrique. Enfin, pour assurer la défense du territoire, non seulement l'empereur se dote d'une armée puissante, mais aussi d'un moyen de protection, soit les limes. Les limes servent à percevoir les taxes, ils servent de postes de contrôle frontalier, mais aussi de moyens de protection contre les invasions des territoires ennemis. Le mur d'Adrien au nord est sans doute la lime la plus importante, avec une distance de 117.5 km. Si Rome dispose d'autant de moyens de divertissement, c'est surtout à cause de la grande pauvreté qui règne. C'est pourquoi l'empereur doit se doter de nombreuses infrastructures, et parmi celles-là, le Colisée figure parmi l'une des plus importantes. Pouvant accueillir 50 000 personnes, on y accueille des combats de gladiateurs opposant quelquefois des fauves, tels que des ours, des lions et des tigres. La plupart des gladiateurs qui y sont présents sont des prisonniers ou des condamnés politiques. Parmi ceux-là, l'un des plus importants sera sans aucun doute Spartacus. Deuxième infrastructure de divertissement en importance, le Circus Maximus. On y pratique des courses de chars au grand plaisir des 250 000 spectateurs présents. Pour remporter les grands honneurs, les coureurs, qui sont majoritairement des esclaves, doivent effectuer sept tours de piste autour du Spina qui divise cette même piste. Seulement les citoyens romains peuvent y acclamer leurs idoles. Troisième et dernière infrastructure de divertissement durant l'Empire romain, les Nomachies. Instaurées par l'empereur Auguste, les Nomachies d'Auguste sont de véritables batailles navales de plus de 2000 combattants sur des bateaux. Nécessitant 250 000 mètres cubes d'eau, cela démontre assez bien le sens du spectacle qu'avaient les Romains avec le besoin essentiel de se divertir. Autre infrastructure d'importance dans l'Empire romain, les thermes. Les thermes étaient des bains publics, et non seulement ils permettaient de se laver, mais ils abritaient aussi les latrines communes qui sont actuellement nos toilettes modernes. Les thermes constituaient un loisir à faible coût, autant accessible aux hommes et un peu plus dispendieux pour les femmes. À plusieurs moments, l'empereur rendait l'utilisation gratuite. La décoration des thermes y était très riche et on y retrouvait absolument une piscine, un bain tiède et un bain chaud dont la température était alimentée par le travail des esclaves. Enfin, les thermes étaient un lieu de discussion, de sport et de détente. Le Capitole de Rome est probablement le lieu le plus sacré et le plus prestigieux de tout l'Empire. On peut autant y sacrifier les condamnés à mort qui honoraient les empereurs lors de leur retour de guerre triomphante. Le Capitole dispose d'une bibliothèque, d'un auditorium et on y retrouvera même la première université de l'Empire. Enfin, on y retrouve aussi des temples et des statues pour y honorer les empereurs et les dieux. Les Romains sont polythéistes et d'ailleurs ils intègrent les dieux des peuples conquis à leur culture. Cela constitue sans aucun doute un facteur de romanisation. Enfin, la dernière infrastructure particulièrement intéressante est l'aqueduc. Apportant l'eau des montagnes, cela démontre bien les connaissances des Romains en matière d'eau potable. Cette eau servait surtout à alimenter les fontaines et assurer les besoins quotidiens des habitants. Toutefois, seulement les riches disposaient d'un accès privé. Enfin, un réseau souterrain se chargeait tant qu'à lui d'éliminer les eaux usées sous Rome.